Jolie course, graine de bison. C'est pas juste. C'est moi qui aurais dû gagner. Ce n'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois. Prochaine fois? Il n'y aura pas de prochaine fois. Je suis le meilleur grimpeur de la tribu. Et je vais te le prouver tout de suite. Ah! Vous voyez cet arbre? Personne n'est capable de grimper tout en haut. Personne, sauf moi. Attends, graine de bison, ça ne sert à rien. Tu vas... Laisse-le. Il ne se calmera que lorsqu'il aura atteint le sommet. Tu crois? Cela pourrait être très dangereux, tu ne trouves pas? Peut-être, mais Arc-en-Ciel a raison. Il a besoin de ça pour retrouver sa bonne humeur. Incroyable! Il veut vraiment aller jusqu'au bout. J'y suis presque. Bien, graine de bison! Waouh! La vue est splendide! Maintenant. Oh!
J'ai bien l'impression qu'il est coincé, là. Mais qu'est-ce qu'ils ont à croasser comme ça? Allez-vous-en, arrêtez de me tourner autour. Alors, on n'arrive pas à descendre? On a peur du vide? Je croyais que les Sioux n'avaient peur de rien. Le vent se lève. Une tempête s'annonce. Et Graine de Bison n'est toujours pas rentrée. Ça ne lui ressemble vraiment pas de rater un repas. Tu as raison. Il a dû lui arriver quelque chose. On ferait bien d'aller voir. Mon ami Graine de Bison n'est toujours pas rentré, cela m'inquiète. C'est celui qui est coincé en haut d'un arbre? J'ai vu Micmac et ses amis tournicoter autour de lui. Micmac? Il ne manquait plus que celui-là. Alors on n'a pas de temps à perdre. Tu fais ce que tu veux. Moi je retourne à mon nid. Graine de Bison! Graine de Bison! Il ne peut pas nous entendre à cause du vent. J'aimerais bien avoir des ailes, hein? Ce serait plus simple. Et dire qu'en bas, ce sont des humains qui embêtent les oiseaux. Graine de Bison, tu m'entends? Eh, hey, les amis, regardez en bas. Oh. Micmac! Yakari, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que toi, tu fais ici? Et dis-moi ce que tu as fait à mon ami. Bon, rien, rien du tout. Vraiment, on ne faisait que s'amuser. Tu trouves ça drôle de te moquer de lui alors qu'il est coincé là-haut avec cet orage? Y'a quelqu'un? Excuse-moi, je ne savais pas que c'était ton ami. Ouais, excuse-nous. On devrait peut-être aller se mettre à l'abri. Attends, Micmac! Tu vas peut-être pouvoir m'aider à le faire descendre. Ah bon? Et pourquoi moi? Parce que c'est plus facile pour toi que pour moi de le rejoindre tout là-haut. Je n'ai pas le temps là maintenant, et puis chacun ses problèmes. Micmac! Ah! Est-ce que tout va bien? Ah oui! Merci, Akari. Tu me dois une faveur maintenant. À cause de cette pluie, le tronc est devenu beaucoup trop glissant. Il ne serait pas prudent de grimper à main nue avec cet orage. Il nous faudrait des lianes. Je peux aller en chercher. Merci, Arc-en-Ciel. C'est une très bonne idée. On revient tout de suite. Ils m'ont abandonné. Yakari et Arc-en-Ciel m'ont oublié. Qu'est-ce que je vais devenir? Alors, Yakari, j'ai pas que ça à faire, moi. Voilà. Donne-lui ça, il comprendra que je suis venue l'aider. Et qu'il faut patienter. Bon, mais après, nous sommes quittes, Yakari, hein? Oui, oui. Le revoilà, celui-là. Qu'est-ce que tu me veux, toi, encore? Va-t'en! Il ne comprend vraiment rien, ce Sioux. Laisse-moi tranquille! Va-t'en! Oh, doucement! J'ai perdu assez de plumes aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu me veux, à la fin? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est le sac de Yakari. Ça veut dire qu'il est venu me sauver. Il doit pas être loin. Et voilà! Bravo, Arc-en-Ciel! Il faut nous dépêcher maintenant. Micmac, tu vas m'aider dans mon ascension. Quoi? Encore? Prêt? Prêt!
courage, Yakari. Sois prudent. Par là, petit Sioux. Non, pas celle-là. Attrape plutôt celle-là. Mais... Tiens, tiens, tu passais par là? Ah! Attends! Donne-moi la main, graine de bison! Ah! Ah! Ne me lâche pas, Yakari! Encore un instant, petit tonnerre! Tu peux lâcher maintenant! Échappée belle. Merci, Yakari. Et merci à vous tous aussi. Rentrons au campement. J'espère que la tribu m'a laissé quelque chose à manger. Ah, j'ai une faim de loup, moi. Cette fois, on y quitte, je crois. J'ai eu beaucoup de chance, les amis, de pouvoir compter sur vous. C'est vrai que tu as pris de très gros risques, grimper aussi haut. Ouais, c'est vrai. Ce n'était pas prudent, graine de bison. Mais reconnais-le, c'est tout de même moi, le meilleur grimpeur de la tribu.